Alors, je vous retrouve pour vous faire un haul sur mes achats du mois de tout mars. Et peut-être un petit chouïa février, mais vraiment, c'est beaucoup mars quand même. Alors, je vais commencer par tout ce qui est pour la douche. Comme ça, c'est fait pour la douche, les cheveux, les bras, etc. Donc, je me suis racheté mon shampoing Elsève anti-casse que j'aime énormément, qui m'aide vraiment à avoir moins les cheveux cassants. En plus de ça, j'aime énormément l'odeur. Alors Elsève, oui, je sais, c'est pas très bien, blablabla, blablabla, mais moi, je l'aime beaucoup. J'ai racheté de chez Fructis, j'adore Fructis, voilà. Mon après-shampoing Nutri-Repair aux 3 huiles, donc pour cheveux secs et abîmés. L'odeur, c'est juste un truc de dingue. J'entends énormément de mauvaises choses sur ce produit, mais moi, je n'ai absolument rien à lui reprocher, au contraire, quoi. C'est complètement l'inverse. Le shampoing, je l'utilise un peu moins, mais par contre, j'adore l'après-shampoing et le masque. Ensuite, je me suis acheté un gel douche de chez Bourjois. Donc, j'avais dit que j'arrêtais d'acheter des gels douches en fait, mais quand j'ai senti celui-là, j'ai pas eu le choix. Donc, c'est le rafraîchis-moi, donc à fleurs des lagons, qui sont trop bons, quoi. C'est assez léger. C'est même très très léger, mais ça sent très très bon. Franchement, ça sent très très bon. À voir quand je vais l'utiliser, hein, mais je pense que je ne serai pas déçue. Ensuite, j'ai acheté, alors ça c'est une nouveauté, de chez Ushuaïa Nature, enfin Ushuaïa Nature, de chez Ushuaïa, donc un granité de douche exfoliant à la pulpe de coco et sable fin. Vous imaginez le truc, quoi. C'est l'été dans la salle de bain. C'est juste un truc de dingue. Alors moi, la noix de coco, je suis pas trop, voilà. Mais là, je suis fan, quoi. Ça ressemble à ça. Alors si je le penche trop, c'est très très... très liquide, hein. Comme vous pouvez constater. Près ça de près. Voilà, je sais pas, ça fait un aspect un peu gel. Hop, donc c'est comme ça. Vous voyez, ça mousse en fait, puisque celui-ci est donc à rincer. Donc voilà. Ensuite, pour les cheveux toujours, je me suis acheté de chez Clorane. Donc je sais que voilà, je suis pas très branchée shampoing bio et tout ça. Mais donc j'avais envie quand même de tester. J'ai déjà testé Clorane, celui au beurre de mangue que je n'ai pas du tout apprécié. Il m'avait fait tomber les cheveux et tout. Je n'avais pas du tout apprécié. Et donc j'ai acheté celui à l'ortie, donc le sébo régulateur. Je l'ai utilisé quand même une fois pour voir. Et alors, il est pas mal sauf qu'il me fait des nœuds. Il me fait beaucoup de nœuds et voilà, même après avec les autres produits, c'est une horreur. Ensuite, alors ça je sais plus du tout si je voulais montrer, donc je vais vous le remontrer au cas où. C'est le... une huile de chez Ultradoux, donc ciment spécial pointe, trésor reconstituant à la propolis, donc c'est celui qui est au miel, c'est une nouvelle gamme. Ils ont sorti en même temps une au monoï ou je sais pas quoi là. Ça sent très très bon, ça sent très très bon. Je suis pas très branchée miel, mais là ça sent le vrai miel, ça sent très très bon. Voilà, donc à tester. Ensuite, je me suis acheté donc une crème pour les mains de chez Triacle Moon à la fraise. Je suis un peu déçue, en fait, ça sent vachement bon. Mais je déteste, enfin je sais pas, la texture, j'ai du mal, on dirait de l'eau en fait. Regardez, on peut la prendre dans les mains. On peut la prendre dans les mains, quoi. Je sais pas si... sans l'abîmer. Elle s'étale pas bien, je sais pas, j'ai un peu de mal. Elle est pas très hydratante. Après, niveau de l'odeur, voilà quoi, ça sent super bon, très commune, ça sent très bon. Je préfère définitivement celle à la framboise, qui a une texture beaucoup plus épaisse et c'est vraiment plus agréable. Ensuite, je me suis acheté, donc pendant les promos, promo Carrefour, là, moi je n'ai pas acheté grand chose, j'ai acheté que ça en promo, je crois. Donc, ça et puis, oui, non, c'est tout, je crois. Donc, j'ai racheté mon Absolue Douceur, la solution micellaire démaquillante de chez L'Oréal, que j'aime énormément. Et comme il fallait acheter deux produits, j'ai pris le Tonic Caresse Confort Suprême, donc de chez L'Oréal, qui sent super bon. Ensuite, chez Monoprix, tout le reste, là, tout le reste du maquillage, c'est chez Monoprix. Hein. Puis petite Razia. Moi, j'aime beaucoup Monoprix.
Ce sont des patchs contour des yeux au thé vert et des compresses revitalisantes pour les yeux au concombre. Voilà, donc c'est à voir, à tester. Donc celle-là, vous les voyez. Vous voyez, c'est comme ceci, c'est à mettre sur les yeux. Et celle-ci, c'est au thé vert, à mettre sur les poches. Je n'ai pas testé, j'ai juste ouvert le carton pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Ensuite, je me suis acheté un baume à lèvres de chez Bird Bees. Like a bird bees. Hey! Donc, c'est celui à la vitamine E et au miel. Comme ceci, qui commence déjà un petit peu. Attention. Tadam! Voilà la chose. Commence déjà à se sentir mal. Que j'adore, 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 j'adore. Oui, un sacré trou. Normalement, quand vous l'achetez, il est au maximum. Hein. Et je l'adore. L'odeur, le... Enfin, voilà. Il y en a un autre, un menthe poivrée, machin. Alors là, celui-là, il est dégueulasse. Affreux. Enfin, moi, j'aime pas du tout. Mais celui-ci, le simple, original, quoi, il est super bien à l'odeur et à l'utilisation. Et ensuite, on va parler maquillage. Donc, je vais prendre les trucs les plus simples pour l'instant. Alors, je me suis acheté trois vernis. Donc, un de chez L'Oréal, qui est le Chantilly La C857, donc qui est un blanc. Mais blanc blanc, hein, il n'y a pas de sous-ton, il n'y a pas de machin, non, non, il est blanc blanc. Donc je l'ai, voilà, je l'ai là, j'adore. Génial, il est super opaque, il sèche, ouais, l'allure normale d'un vernis on va dire. Je le préfère à l'autre que je vais vous montrer, donc c'est le Essie, qui est le, je sais pas qu'est-ce que c'est comme numéro, il n'y a pas. C'est pas marqué. Quel nom ? Voilà, c'est un blanc, il n'y a pas de sous-ton, il n'y a rien. Voilà. Alors celui-ci, il est là. Donc ça, c'est le Essie. Et là, vous avez le L'Oréal. Quand même une différence d'opacité. Hein. Ça se voit à l'œil. Surtout avec celui-là. Après, niveau séchage et tout, application, franchement, il n'y a pas trop de différence. Même si je trouve que le Essie s'applique beaucoup mieux puisqu'il est vachement plus liquide, en fait. Donc, je sais pas. Je sais pas si je préfère mettre deux couches de vernis qui s'appliquent bien ou une bonne couche d'un truc un peu plus chiant. Je sais pas, j'hésite. Mais j'aime beaucoup les deux. Et ensuite, de chez Maybelline, dans les Color Show Street Artist Top Coat, c'est le 02 White Splatter. Pff, oh là là. Donc c'est ça en fait, j'adore. Et donc où est-ce qu'on le voit le mieux là? Ici, là je l'ai mis aussi. Et puis sur ces deux là. Attends. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Je l'ai utilisé qu'une fois, pour l'instant ça tient. Ensuite je me suis acheté donc... un show off de chez Rimmel London, donc Rimmel London, donc les lacs à lèvres, c'est la 402 Across the Universe, donc qui est en rouge, mais je sais pas, j'aime pas trop finalement. Enfin, j'ai pris trop foncé, voilà, j'ai pris un peu trop foncé, je voulais le rouge rouge et je me suis trompée en fait, parce que le packaging laisse un peu à, la couleur laisse un petit peu à... Mais Mélanie, c'est à ça que sert mes testeurs. Oui, effectivement, oui. Mais bon, j'étais pressée et tout. Mais bon, je l'aime bien quand même. J'aime bien son odeur. Et j'ai pris donc de la nouvelle collection de chez Bourjois, donc les rouges éditions Velvet. Donc j'ai pris le Pink Pong et le Holy Flamingo. Donc je vais vous les swatcher. Donc c'est un fini mat, ça vous le mettez le matin, le soir vous en avez toujours autant quoi. Vous pouvez boire, manger, parler, embrasser, ce que vous voulez. Alors par contre il faut en mettre plusieurs couches quand même si vous voulez que ce soit bien opaque. Hop, voilà. Une fois que ce sera sec, ça bouge plus. Ça c'est le Pink Pink Pong, je sais pas où c'est qu'ils vont chercher les noms des trucs. Et le Olé Flamingo, qui est juste mon préféré. Je l'adore, lui, c'est une dinguerie. Voilà, il est là. Et lui, une fois que vous l'avez sur les lèvres, il bouge plus. En plus de ça, c'est super facile à mettre.
C'est super, bah, vous avez vu, c'est super facile à mettre parce que la brosse, enfin, l'embout mousse, vachement là. Enfin, il prend la forme de votre bouche et c'est vraiment parfait. Ensuite, je me suis acheté de la collection Master Drama. Donc, j'en ai pris 4 des crayons. Alors, j'ai pris un chromagraphique. Donc, qui est le Turquoise Vibe. Qui est une petite tuerie. Par contre, il y a un petit problème, je vous en parlerai après. Et après, j'ai pris les Kohl Liner. Donc, ça, c'est le Blue Lagoon. Là, on a le bleu électrique, qui est une petite tuerie. Ils sont super beaux, par contre. Les bouchons tiennent pas, ça me va. Et le vert couture. Voilà. Alors, ils sont super, mais voilà, ils coulent, ils glissent. Ils tiennent pas. Et moi, un liner qui tient pas, il faut attendre trop longtemps. Mon père version de Urban Decay, je le mets, voilà, bah ça c'est réglé. Là, non, faut attendre et. Ça m'énerve! Mais bon, sinon, ils sont vachement bien, la couleur est top. Enfin, voilà quoi. Il y en a d'autres que je vais sûrement aller me chercher. J'ai une de mes abonnées, oui, que je remercie énormément, énormément. J'étais en galère de baume Carmex et donc elle m'a proposé très gentiment de m'en envoyer, puisque elle les trouve dans un magasin, je crois que c'est chez Dee, je suis pas sûre. Bref, elle les trouve chez elle et du coup elle m'en a envoyé deux comme ça. Donc celui-là aussi est emballé, hein, mais bon, il est ouvert quoi. C'est Carmex, hein. J'adore ces baumes à lèvres. Ils sont terriblement bons. Et j'en avais reçu un aussi sur mon site de troc. Donc du coup maintenant j'en ai trois. Et je suis trop contente. Donc je la remercie encore. Elle ne m'a rien demandé, ni frais de port, rien du tout. Elle a fait ça par pure gentillesse et franchement c'est adorable. J'ai été super touchée quand elle m'a demandé ça, j'ai été gênée aussi quand même. En plus de ça, elle m'a blindée d'échantillons. C'était adorable, franchement. Je trouvais ça adorable. Et comme je vous dis, attendez, hein, parce que j'avais tout laissé. Ça fait un moment que je les ai reçus, ça fait bien un mois, plus peut-être. Et donc, elle m'a blindée d'échantillons comme ceci. Donc je te remercie encore si tu passes par là. Je ne sais plus du tout son pseudo, donc je mettrai là. Donc voilà pour mes petits achats. Si vous voulez des avis sur un produit en particulier ou une revue, je sais pas, quelque chose, vous me le dites en barre d'infos, en commentaire. La barre d'infos, c'est pour moi. Et oui, bref. Et donc, en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!